Et salut tout le monde, c'est Nink. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Sea of Stars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans le dernier épisode, nous avions vu l'oracle. Et il nous avait dit qu'on allait tout simplement perdre face à l'autre du conflit. Qu'on tente de l'affronter ou pas, on va perdre. Bah, de toute façon, si on ne l'affronte pas, on perd pas vu que on l'affronte pas. Bref, on va l'affronter et on va perdre. Cependant, il nous a dit que notre destin nous amènerait à cette tour qui se trouvait juste derrière lui. La tour d'en dessous de l'eau. Voilà. Pour une fois, je me souviens du nom de la zone. Force à moi. Voilà, notre destin apparemment nous mène ici. On s'est arrêté juste devant cette porte. Donc écoutez, nous sommes partis. On va voir ce qui nous attend. J'ai dégagé cette porte. Et étrange. Pareil que le grand mystère qu'on est censé découvrir est juste derrière. Pas de poignée, mais on ne peut pas la pousser non plus. Elle ne résonne pas avec notre machine. Peut-être qu'il faut juste frapper. Ah tiens donc. Comme ça. La plupart du temps, quand on repasse à lui, c'est qu'on termine un... une sorte de chapitre, une section, j'ai l'impression. Ils firent preuve de courage dans la tour, mais hélas, comme le destin le voulut, au commencement de cet événement, la mystérieuse porte resta verrouillée. Malgré leurs efforts pour remédier à ce revers, nos héros furent incapables d'atteindre l'île, mais ça attend que le conflit se transforme en dévoreur de monde. Nécessaire de combattre avec courage, mais au final, leur vie comme leur monde furent anéantis. C'est ainsi que nous arrivons au cœur de nos réflexions de ce soir, une simple question. Jusqu'où pourrait-il aller si le destin avait été encouragé, si la porte autrefois fermée avait été ouverte? Découvrons-le. Comment ça? Entrez. Da fuck? Voilà, ça devient méta là, ça y est. C'est quoi cet endroit? Ça sent le renfermer. Bonsoir et bienvenue aux grandes archives. Veuillez excuser le désordre, mon travail a tendance à occuper tout mon esprit. Attendez, vous êtes vraiment... Les titres sont pour les histoires et les mythes, appelez-moi Reshan. Reshan? C'est encore plus cool que Xtol. Mais alors... C'est vous, l'immortel alchimiste? Je suppose. Incroyable! Alchimiste, monsieur, nous... Je vous en prie, appelez-moi Reshan. Reshan, c'est très inattendu. Ouais, nous... Vous ne pouvez pas régler tout ça, là? Malheureusement, non. Je suis lié par un code très strict. Il n'y a aucun mot pour exprimer la souffrance que ça causerait si je devais prendre les choses en main. Dire qu'un autre se transforme en dévoreur de monde. À vouloir minimiser les choses, vous devez comprendre que dans le grand ordre des choses, votre réalité n'est qu'une parmi tant d'autres. En réparant votre royaume, je libérerai Kuruta et Furul dans de nombreux autres. Inacceptable. Qui est Furul? Mon ancien associé. On dit que votre peuple m'appelle l'immortel alchimiste. Désigne Furul par le Fleshmancer. Il se cache quelque part ici aussi? Notre monde est en sécurité, du moins à cet égard. Eiforul est parti il y a longtemps. En revanche, s'il venait à découvrir ma présence ici... On se chargerait de lui, c'est juste un gros nul. Bien, il semble que le temps presse. Nous devons rejoindre l'île Messa. Vous pouvez nous aider? Je pourrais, mais d'abord nous devons déterminer si vous pouvez ou non vous aider vous-même. On sait se battre? Bien sûr, mais la question est de savoir si vous êtes vraiment ceux que j'espère que vous êtes. Pour l'heure, je vais vous envoyer à un endroit reculé, où, emprisonné dans la glace, se trouve un artefact disparu depuis bien longtemps. Quel genre d'artefact? J'en dirai pas plus pour le moment. Si vous savez entrer ici, t'as la conduite à suivre, par son pouvoir vous appellera. Le portail mène là où il a disparu. Retrouvez l'artefact, ensuite j'envisagerai votre plan.
Dans quoi on s'embarque? La musique a l'air stylée. Excusez-moi, je suis en train d'écouter la musique. Ça a l'air stylée. Donc du coup, l'espèce d'alchimiste, je pensais que pas qu'il était dans ce monde. En fait, je pensais que c'était genre un mec qui nous racontait l'histoire extérieur à tout ça. En fait, non, il existe bel et bien dans le monde et notre histoire est écrite en fait, si je comprends bien. Mais la musique est putain de stylée. Oh, on dirait des rocambolesques, on dirait des bonbons de glace. Les bonbons, c'est dans. J'allais dire Zelda, pas du tout. Final Fantasy. Mais la musique est trop cool. Et puis elle reste durant les combats, j'avais pas relevé. Ah ouais, non, elle est stylée la musique, hein. Il y a une conque en haut. Je pense qu'on va rejoindre après. Peut-être faire fondre la glace, non? C'est ça. Partition de musique 5. What the fuck? Boulder douche. Il est trop stylé ce mob! Il est en train de faire son DJ là, dans le plus grand des calmes. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont fait un banger dans cette zone, avec la musique. Je serais pas amusé à mettre un mob comme ça sinon. Boule de neige. Oh, c'est tout. J'arrive pas sur celui-là. Je sais pas. Je croyais que j'avais Valère. Oh, je suis con. Oh purée. Ok. On va se soigner. Ça me semble recommandé. Franchement, je dis pas que les autres musiques du jeu étaient nulles. Mais là, franchement, je la trouve incroyable celle-là. Elle est au-dessus par rapport aux autres, je trouve.
Trucs sympas ces choses ici. Hop là. Je pense qu'ils peuvent être sensibles au feu, peut-être. Faut que je teste la magie de Zayle. Alors là, je vais pas pouvoir tous... Ah, quoique... Non, si, je peux. Non, je peux pas du tout, je dis de la merde. Ah non, il résiste bien comme il faut en fait, ouais. Ah, je pensais y faire assez mal. Échec. Ça fait un tout petit peu mal. Et vraiment un petit peu... Ah, je suis mort avec lui, avec Zayle de toute façon. Il attaque tout le monde. J'y ai pas pensé sur le coup. C'est quoi ça? Pas à faire. Ah mais en fait ouais, il faut que j'obtienne un truc si je vais pouvoir faire quoi que ce soit ici. Donc peut-être au bout ici. La musique se calme en plus ici. C'est quoi cette zone? Ah, j'aurais dû me soigner, je suis con. Ça se voit qu'ils ont pris un kiff avec la musique ici. R attaque direct, j'avais pas vu. Peut-être utiliser un objet, hein. Ok, mais du coup je pensais qu'il allait se passer un truc, mais pas du tout. C'est vraiment juste pour le fun, ils ont mis une musique bizarre ici. Serai, ça va? Ok. Oh, je les ai arrêtés de jouer. Je les ai fait arrêter de jouer plutôt. Utilisons tous les mots.
Ah, ça c'est un combat très bien mené. Oh, stylé. Ah, c'est stylé. Va monter le camp. Pas faux. Les acolytes. Les acolytes, c'est ceux qui s'appellent 1, 2, 3, 4 là? Pause. 110 PV, puis 6 PM à un allié. Ah, des trucs qui soignent le groupe, j'en ai pas beaucoup en fait. Vraiment que j'utilise plus mes objets. Hein. Je sais qu'il y a un succès qui dit qu'il faut cuisiner chaque plat aussi. J'ai vu que c'était un des succès les moins eu. Il était genre à 0,7%. Ah bah tiens. Fait longtemps. Peu importe ce qu'on avait fait, c'est stupide de venir ici. Stupide et coincé aussi. Nous avions déjà essayé de jouer dur, vous n'avez pas eu leur rapport. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont agressifs? Agressifs et arrogants aussi. Venez alors. Bon bah. Comment ça va être fait, hein? Il prend pas de dégâts, enfin beaucoup de dégâts à l'autre. Aïe. Merde, j'ai pas de... Oh, c'est nul, avoir fait tant d'efforts pour rien. Non, je peux rien faire. Il y a même pas de... Je peux même pas me booster. Oh, c'est dommage. Tout ça pour ça, quoi. Tout dommé. Ok, sympa. J'ai appuyé tellement tard, c'était une dinguerie. Franchement, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire.
Ah, il fait quoi lui, tout court, quand il charge pas un truc? Ok. Il y a un petit délai à prendre en compte. Oh là 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 là, mais dégagez-moi ça! Je viens de leur mettre. Mon dieu. Bon, après, l'autre il doit lui rester beaucoup de vie parce que je t'ai pas trop attaqué. Il a l'air balèze donc je pense qu'il doit avoir beaucoup plus de vie. Après, il a pas encore fait d'attaque particulière. Mais ouais, il a pas d'attaque spéciale. Ah ouais, non mais ils servent à rien eux, hein. Ah vraiment, jusqu'au bout. Ils sont nuls. Ils servent à rien. Ah, vous avez de la chance, la prochaine fois, nous gagnerons. Oui, ouf, gagner, c'est ébré aussi. Bien sûr. Et ne revenez pas. Il y est presque, je le sens. C'est parti. Comment ça, on y est presque, mais j'ai loupé plein de trucs derrière. Attendez, je vais me soigner au feu de camp. Soit c'est on y est presque pour obtenir un truc. Et il va falloir que je revienne en arrière. Soit c'est on y est presque, il faudra que je revienne plus tard dans la zone pour faire des trucs. Après, on vient chercher une relique, donc peut-être que... un truc qui va me permettre de brûler tout ça. C'est le moment, c'est le moment où je vais pouvoir mettre le jour quand je veux. D'accord, qu'est-ce qui se passe? La tenue amulette du solstice. Voilà, je vais pouvoir mettre le... la nuit et le jour quand je veux. Quelle énergie! Le même genre de pouvoir que... comment on sort de là? Bloc pourrait être fondu, mais la rune céleste est cassée. Vous pouvez maintenant contrôler l'heure du jour avec RTLT sans avoir à vous trouver sur une rune céleste. Oh, attendez, c'était... 2 secondes. Ah, mais peu de joueurs sont arrivés là, que 6,1%. Oh putain. Voir beaucoup de monde y joue et... en soi, c'est faible. Je sais pas. Alors... waouh, alors vous pouvez faire ça comme vous voulez maintenant. La résonance de la minette avec notre magie est vraiment forte. On a récupéré ce qu'il nous fallait. Retournons voir Rechan.
Ok, voilà. Et du coup, ça détruit ça aussi? Ah, d'accord. Cool. Ça va me débloquer des trucs, ça. Ah, va falloir que je réexplore toutes les zones à un moment. La guerre que ça va être. Attendez, comment je fais pour faire fondre ça notamment? Ah, mais ça se pousse, ça. Oui, d'accord. Et nous avons un sceau de clarté. La compétence coûte 1 PM de moins. Ah! Je mettrais bien à elle peut-être. Je devrais peut-être mettre le truc qui augmente les dégâts à lui en fait. Après, elle, ça peut être bien aussi parce que le truc qui permet de désynchroniser l'ennemi, si ça pouvait coûter moins cher, on va peut-être lui mettre à elle. Bon, autant lui mettre ça pour l'instant. Alors, ça pouvait juste être un tout petit peu plus rapide, ça serait agréable. Et bon, on va pas trop se plaindre. C'est quoi là-dedans? Ah, une attaque combo. Regarde, ça arrive après la compétence combo, roulette d'objet. C'est du soin. Non, il a choisi un objet aléatoire pour un effet spécial. Ah, ça coûte que 1. Enfin, une autre compétence qui coûte que 1. Ça fait longtemps. Là-dedans, il y a un coffre. Minerai de saphir. J'ai pas loupé des trucs ailleurs? On va dire que non. Attendez, mais mon coffre là, ma conque, c'est par où, c'est comment, c'est... Je sais même plus où est-ce qu'elle a été.
C'est là après, je crois. Ah mais en fait non mais je suis trop con, je suis jamais venu ici, j'avais juste à faire le grappou en haut. Idiot bête. Très bien. Bon, je sais pas comment on pourra revenir ici, mais... On pourra forcément, je pense. Voilà de retour, félicitations. Vous aiderez à rejoindre l'Ilmessa maintenant? Vous y étiez il y a à peine un instant. Pardon? C'est par ici alors? Il suffit de faire demi-tour et de gravir à la montagne? Gravir le pic glacial à pied? Seul un animal ferait cela. Accepterez-vous un dernier défi? Si vous réussissez, je vous promets de vous aider. Nous sommes pressés, vous avez dit! Je sais, mais écoutez-moi. Le seul moyen d'enlever la barrière, c'est de réveiller la tête en pierre géante. Je peux vous concocter la potion, mais nécessite des siècles de macération. Des siècles, à quoi bon alors? Pour cette raison, il faut que vous récupériez ma fiole d'alchimie personnelle, la fiole du temps. Avec, je peux contrôler le temps. Ramenez-la à moi et je vous préparerai ce dont vous avez besoin en quelques secondes. Incroyable. Très bien, où peut-on trouver votre fiole du temps? Ah, il faut la cacher quelque part sur l'île d'Observateur, il y a longtemps. Ce que je sais, c'est que la statue géante dont l'île tient son nom est la clé. Comment pouvez-vous en être sûr? Les ruses d'Aéphoru impliquent toujours de grandes statues. Enfin, je pensais qu'il arrêterait si je ne retrouvais jamais ma fiole. Mais voilà que nous en avons besoin. C'est ridicule. Pensez ce que vous voulez, mais je vous recommande de prendre cette tâche avec le plus grand sérieux. Elle sera très éprouvante. Bien sûr, on est prêt. Dirigez-vous vers le nord de l'île d'Observateur. Procédez à la purification du pic du temps. La purification? Il y a un autre ici? Bien sûr, ce n'est peut-être qu'une farce, mais elle est tout à fait heureuse lui-même. Mais c'est un pouvoir augmenté par... Oui? Ça, ça sert vraiment à l'amulette du solstice, n'est-ce pas? Précisément, elle peut être ancienne, mais sa machine n'en est pas moins puissante. Affronter l'autre du tourment avec conviction, et la muette résonnera. Pouvoir de conjurer une éclipse. Très bien, on va y arriver. Le pic du tourment affecte l'esprit de façon diabolique, mais vous méritez une chance de combattre, tenez. Qu'est-ce qu'il me donne? Allez-y, buvez. C'est quoi? Une dose de potion élémentale pour chacun d'entre vous. Allez, plus sec. Je ne sens qu'une différence. Et grâce à cette potion, on pourra en dire de même après avoir visité ce lieu maléfique. Et que vous ne pouviez pas nous aider directement. C'est juste un petit coup de pouce que cela reste entre nous. Merci, Reshan. Nous reviendrons avec la fiole du temps. N'hésitez pas à utiliser ce portail pour vous déplacer rapidement entre ici et le lac d'Okaria. Je vous observerai. Bonne chance. Ah, attendez, j'en ai combien des conques? Il m'en manque. Là, il avait nous. Oh, pic glacial, ok, oui, évidemment. Lac d'Okaria. Donc là, si je retourne en bas, j'arrive à la tour. C'est ça. Ah, il s'est rassis. Regardez le livre, non.
Eh bien, on se retrouve à faire plein de détours. Du coup, faut que j'aille tout au nord pour aller au niveau des pics tourmentés. Et ça, du coup, qu'est-ce que c'est? Je peux changer le temps aussi sur la carte, hein. Ah mais attendez, je pouvais monter le camp? Comment ça? Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, on peut sauvegarder. D'accord, ok. Par contre, faut s'arrêter de bouger, d'accord. Ça, c'est le truc que le jeu te dit pas. Du coup, oui, apparemment il y avait un autre ici inconnu de tous. Il va falloir qu'on affronte par nous-mêmes. Quand on se rend compte à quel point ça a été long contre l'autre dans le manoir alors qu'on était pendant l'éclipse avec en plus d'autres guerriers de solstice, ça va être compliqué. On peut plus revenir en arrière. Je vous suis. Et du tourment. Ah, quelle ambiance. Hôtel du tourment. Hôte plutôt peut-être. Est-ce qu'il y a un donjon ou c'est direct le boss? Pourquoi leurs noms sont en rouge? Et qui plus est, pourquoi il a 500 PV lui? D'accord, ok. Ça va être génial, ça. Mais ouais, vous avez un peu beaucoup dit, monsieur. Pour juste un mob classique. Ok, pas mal. Ah, j'aurais bien fait cette attaque parce qu'elle fait super mal. Gagnons des PM. Chier, je peux pas faire ce que je veux là depuis tout à l'heure. Bon, je pense qu'on le tue là si je fais pas de la merde. Le si est très important. Je devrais peut-être m'arrêter là, moi, non? Oh, il va y avoir un point de sauvegarde avant le boss. Ah, lui il prend cher. Par contre, l'autre, ouais, il faut lui faire de la magie, forcément.
On va pas les empêcher tous les deux d'agir. Ils sont un peu dégueulasses les mobs ici, hein. Bouclier de chair. Ah mais ils ont beaucoup de vie. Ah mais faut se calmer un moment. Ah oui, en fait je devrais juste faire la magie de solstice. Oui c'est comme je sais plus, oui avec les monstres de conflit en fait, c'est... J'ai juste à faire ma magie comme d'hab. Ouais voilà quoi. Je comprends pas. C'est bizarre, quand j'interagissais avec, ils avançaient le temps. Il se passe rien quand je fais bouger. C'est très flou. D'accord, ça met de la lumière en fait, ok. Cool. Ah j'avais pas vu qu'il agissait tout de suite, j'aurais dû me boost, oh je suis con. Niveau sup. Plus d'attaques magiques. Plus de mana. Je vais à la suite, je vais où là? Je suis juste paumé, j'aurais pas dû continuer, j'aurais dû m'arrêter. En fait j'ai cru que ça allait être court, je sais pas pourquoi j'ai cru que ça serait court. Du coup je vais me retrouver avec un épisode super long, on fait beaucoup trop de trucs en même temps. Aïe 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 aïe. Lac spectral. Une tranchante émettant un faible son inquiétant. Bah, écoute, allons-y. Ah bon, ça c'était sûr. Je l'ai vu venir.
Ah oui, oh bah putain. Ça fait vraiment mal ce truc, hein. Je le sous-estime trop. Bon, du coup on s'y est bien privé au niveau des chemins. Allez. Par contre, faut que je me refasse des PM moi après parce que. C'est un peu à dèche. Encore un interrupteur ici. Il en faut un deuxième. On voit pas grand chose, hein. Se passer un truc sur le retour, non? Je trouve ça bizarre de devoir activer deux mécanismes. Enfin, qu'il y en ait un qui soit aussi loin. Pour rien. Il y avait eu des combats ou des trucs sur la route, j'aurais compris, mais là, il n'y avait rien. Il va y avoir un combat devant la porte, je pense. Ah non. Ok, on va pouvoir s'arrêter là du coup. Est-ce qu'on est à la fin du donjon ou on est genre au milieu? Je pense qu'on est au milieu. J'ai l'impression ouais, que ça continue bien, bien loin encore. Ouais, on va s'arrêter là du coup. On a un bon épisode, il s'est passé pas mal de trucs. La prochaine fois, on finira ce donjon et on affrontera l'hôte du tourment. Apparemment, c'est comme ça qu'il s'appelle. On va voir comment ça va se passer, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça peut être un combat de boss peut-être plus compliqué que les autres. J'aimerais bien, honnêtement. J'espère que ce sera le cas. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite d'aventure. Allez, salut tout le monde, bye bye.